Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, de retour sur la rubrique paranormale, nous allons parler d'ufologie. Hein, donc je pense que c'est une matière que vous aimez, un thème que vous appréciez toutes et tous. Aujourd'hui, je reçois donc Jean-Charles Moyen, donc directeur adjoint provincial du MUFON Québec. Donc tu as réalisé, Jean-Charles, bonjour tout d'abord, comment vas-tu? Alexis, ouais. Alors effectivement, tu as réalisé donc un film qui s'appelle Rive Sud Origine, qui, à l'heure où nous tournons en tout cas cette vidéo, tourne dans quelques salles au Canada. Tu vas nous en reparler bien entendu. À l'heure où par contre la vidéo est sortie, nous aurons l'occasion de louer, d'acheter le film, même le DVD. Tu vas nous en reparler également tout à l'heure. Donc effectivement, c'est un film qui t'a pris 7 ans de réalisation. Tu l'as écrit, tu y joues. Tu vas nous expliquer tout cela. C'est très intéressant. Tu m'avais envoyé d'ailleurs le film et je t'en remercie pour le visionner avant l'interview. Effectivement, c'est très 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 intéressant. C'est exactement où on en est pour l'instant avec l'ufologie, à savoir, on parle d'abduction notamment. Et c'est très important parce que je pense qu'il est un peu temps de quitter un petit peu ces questionnements. Sommes-nous seuls dans l'univers? Maintenant, il faut passer à la cinquième vitesse. Je pense que, voilà, on est en 2019, c'est un petit peu triste. Alors toi, Jean-Charles, pour un petit peu parler de toi, tu es français, tu vis au Canada depuis quelques années. Et alors, on va recommencer par le début. Comment t'es effectivement apparu, en tout cas, cette passion, en tout cas pour l'ufologie? Et ça vient de quand j'étais tout petit déjà, parce que... Je ne sais pas vraiment quand est-ce que ça a démarré ma passion, parce que je me suis intéressé à ça par la force des choses, parce qu'à l'âge de 4 ans, j'ai mystérieusement disparu sur une plage en France, en Charente-Maritime, plus précisément à l'île d'Oléron. J'étais avec mes parents en vacances, je jouais dans le sable, et puis c'était, je dirais peut-être la fin de la journée, et puis d'un seul coup, j'ai échappé à la vigilance de mes parents, j'ai disparu. J'ai disparu mystérieusement. Ma mère s'est rendue compte d'un seul coup que j'étais plus là. Alors évidemment, comme les plages en France sont très très vastes, ben tu vois quand même à des milles et des milles. Donc on voyait bien que j'étais pas là. Alors, ils ont eu peur que je sois tombé dans l'eau. Ils ont demandé à des gens s'ils m'avaient pas vu. Ils ont demandé à des gens qui des gardes, enfin des lifeguards, là, comment on dit en français, des agents sauveteurs, de demander un petit peu s'ils n'avaient pas vu un enfant en train de jouer, etc. Et non, rien du tout, pas de Jean-Charles à l'horizon. Et ça a duré plus d'une heure. Alors, plus d'une heure à chercher ton fils, à un moment donné, tu commences à avoir des doutes sur le fait qu'il est peut-être arrivé un malheur. Et mes parents étaient désespérés, ils étaient assis dans le sable, et puis ma mère pleurait dans les bras de mon père en disant « qu'est-ce qu'on va faire ?» Et d'un coup, j'étais à côté d'elle, à une distance de bras. Chose impossible, parce que dans le champ visuel de mes parents, tu sais, quand je regarde ici, je vois ma main, tu sais. Ils m'auraient vu arriver, aussi bien là que là. Et puis les gens m'auraient vu. Et non, je suis réapparu, au même endroit, en train de jouer tranquille. Pas mal de temps après, j'ai commencé à développer des capacités extrasensorielles assez bizarres. Télékinésie... les objets bougeaient autour de moi, la lumière scintillait quand je pleurais. Plein de phénomènes électromagnétiques et électriques se déclenchaient. Mais mes parents étaient assez ouverts d'esprit et n'ont pas jugé utile de consulter. Ils l'ont fait une fois à un moment donné, mais ça, j'y reviendrai après. Parce qu'ils se sont dit, OK, il doit y avoir un lien avec ce qui s'est passé, mais c'est en même temps, ils sont quand même croyants dans le sens que on n'est pas seul dans l'univers et tout. Mais la preuve qu'ils avaient déjà, c'est que j'avais disparu mystérieusement. Ils en ont parlé à personne parce qu'ils voulaient pas être jugés. Puis tu sais, à l'époque, on parle de 1973, donc les gens n'étaient pas aussi ouverts que maintenant. Puis finalement, le temps passe et puis je commence à développer des facultés assez bizarres du genre, je pose mes mains sur quelqu'un et puis je le soulageais. Ça pouvait être mes parents, mon chat, mon chien, tout ce qui avait un problème. Naturellement, j'allais vers les gens et puis j'avais ces facultés.
ces facultés se sont amoindries en arrivant à l'adolescence. Alors, des fois, on dit que l'adolescence te fait passer d'un stade à un autre et puis tu perds ton innocence et puis ça s'est refermé. Donc, mes facultés, je les avais plus. J'arrivais plus à les contrôler comme je faisais avant. D'ailleurs, dans le film, tu vois à un moment donné un passage où il y a marqué Jonathan Fox, 16 ans. En fait, c'est moi, non? C'est un footage de moi quand j'avais 16 ans et qui est réel. Il n'y a aucun trucage sur les kinésies qui est là. C'était assez impressionnant. Et puis, des années plus tard, alors là, je te parle vraiment de beaucoup plus tard, j'avais à peu près. C'est très difficile parce que j'ai comme des bribes, mais je pense que j'avais peut-être 11 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. J'ai eu une violente un coup de chaud, une insolation. J'étais à Briançon dans les Alpes. Et puis, j'ai été hospitalisé parce que j'avais fait vraiment un coup de chaud très, très intense. On m'a fait passer un scanner. Et lorsque je suis arrivé dans le scanner, bah déjà, le scanner, il commençait à avoir des problèmes. Il montait, il descendait, et puis il s'éteignait sans cesse. Le gars ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et puis, quand ils ont fait la radiographie de mon crâne, eh bien, il y avait comme une tache blanche à ce niveau-là, à peu près. Là, ils ont dit, oh, bah, c'est une poussière. Donc, ça pouvait être quelque chose d'autre qu'une poussière. Et puis, ils ont fait deux fois le cliché. Et puis, il s'est avéré que ce n'était pas une poussière parce que les médecins sont rentrés, m'ont fait des prises de sang, enfin, toute une analyse. Je me souviens par bribes parce que j'étais à moitié dans les vapes, tu sais. J'ai dit ça à mes parents en rentrant et mes parents m'ont dit bah, écoute, c'est simple, on va recevoir la facture parce qu'il faut qu'on paye. Hein. C'était un camp de jour, c'était une colonie de vacances parce que camp de jour, c'est ici au Québec, colonie de vacances. Et ma mère a bien reçu la facture de la radio, mais pas la radio. Alors elle a demandé, mais où est la radio de mon fils? Et ils ont dit, on l'a perdu. Ouais, on l'a perdu. Ah ouais, bien sûr. C'est dommage, ça aurait été intéressant de l'avoir. Mais non, il l'avait perdu. Ça, c'est une parenthèse comme une autre. Et puis tout au long de ma vie, il m'est arrivé des choses un peu comme beaucoup de gens. Il arrive des choses où je suis passé à côté de la mort, des accidents. Mais il se passait toujours un truc, oh, mon Dieu, t'es protégé, t'es chanceux. Maintenant, ça a beaucoup plus de sens. Dans le sens que je comprends qu'il y a peut-être quelque chose qui me protégeait. Alors, appelons-le ange gardien ou être tout ce que tu veux, mais il y avait quelque chose d'étrange me concernant. Mais j'ai jamais eu la confirmation d'être venu d'ailleurs. Et là, je m'intéressais vraiment à ça parce que je voulais vraiment. C'était juste. Mes parents m'avaient dit, il t'est arrivé quelque chose quand tu étais jeune, tu as disparu. Donc là, déjà, là, je trouve ça bizarre. Et même encore maintenant, d'ailleurs, il faudra que je fasse un Skype avec eux. Pour leur dire de me léguer en détail tout ce qui. On ne sait jamais ce qui peut se passer, un malheur. J'aurais pu. C'est juste verbal. Là, j'aimerais enregistrer quelque chose, un témoignage de mes parents, ce que je vais faire. Ils sont d'accord d'ailleurs pour les futures conférences que je vais faire. Et là, depuis que je suis au Québec, je rencontre des gens formidables ici au Canada. Et on m'a mis en présence de quelqu'un qui était capable de faire des hypnoses de régression. Alors, j'étais un petit peu réticent parce que j'avais un peu peur, je ne sais pas pourquoi, parce que je pensais à tous les gens qui t'hypnotisent, puis qui ont des accès à ton cerveau et tout C'est ça. ça. Mais la personne, étant donné qu'elle avait connu très bien Dolores Cannon, qui est la pionnière, qui était la pionnière, qui a fait des milliers de régressions sur des gens qui avaient vécu des choses extraterrestres, j'ai dit pourquoi pas. Alors, j'ai fait cette régression il y a à peu près, je dirais. Ah ben c'était en 2014, le 1er avril 2014. Je vais te dire pourquoi c'est pris. Donc j'ai fait une régression, m'a dit, oh, tu vas voir, ça va être, tu vas être un peu somnolent, mais tu vas être conscient, puis tout va être correct. Ça va pas durer longtemps, 40 minutes, 50 minutes. Bon. Finalement, ça a duré 3 heures. Et je suis rentré en hypnose profonde. Et là, elle m'a fait reculer jusqu'à l'âge où j'avais disparu sur la plage. Et là, je décris ce qui se passe sur la plage. Alors, j'ai eu la confirmation avec mes parents après, en me disant, oh, tu te souviens de ces détails-là? Ben, je dis, bah non, mais oui, mais non, parce que je viens de l'apprendre. Effectivement, c'est exact. Tu sais, je vais avoir 50 ans, ça faisait quand même 46 ans de ça. Ma mémoire, n'importe qui, hein, c'est un peu. Donc, j'ai décrit vraiment comment j'étais sur la plage, etc., etc. Et arrive le moment où je disparais.
Et là, ben, je décris quelque chose d'hallucinant. Je sens que je suis soulevé du sol, comme par un rayon tracteur, je sais pas. Une chaleur m'envahit, et puis je me vois monter, 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 puis je vois mes parents en bas. Puis là, je suis incapable de parler parce que je me sens comme, tu sais, comme remonter comme ça. Puis là, finalement, je me retrouve dans une espèce de pièce blanche entourée de quatre êtres devant, derrière, sur les côtés, translucides, blancs, tu sais, comme lumineux, très positifs, qui me parlent, mais dans mon esprit, tu vois. Et là, je vois comme une espèce de grande baie vitrée avec la terre qui s'éloigne. Donc là, je commence à avoir un peu la chienne en me disant merde, je reverrai plus mes parents, quoi. C'est le délire. Donc là, je pleure beaucoup. Là, il me calme, etc., etc. Tu sais, ça reprend ce que je dis dans le film. Tu comprends, c'est vrai. Fait que là, je raconte tout ça. Puis après, je raconte que je suis dans un grand vaisseau, puis que je me promène, puis je croise des gens. Puis là, j'ai l'air d'être un peu plus grand. Au début, je suis enfant, puis après, je suis plus grand. Puis là, je dirige du monde. Alors, ça fait penser un peu aux histoires de Corey Good et de Randy Kramer et toute la clique. Alors, les gens vont dire, et c'est là qu'intervient mon truc, ils vont dire, bon, il a vu ça, il a lu ça. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que David Wilcock, Randy Kramer, Michael Sala et Corey Good, pour ne pas les citer, je ne les connaissais pas du tout, je ne savais même pas qu'ils existaient il y a en 2014. Okay? Et lorsque j'ai fait mes révélations que j'ai faites comme ça, là, sous mon hypnose, eh ben, j'avais pas de connaissance de ces gens-là. Et la première fois qu'ils ont parlé de programme spatial clandestin avec le fait que Corey Good aurait servi dans des Space Force Marines dans l'espace sur Mars, tu sais, pendant 15 ans ou 20 ans, je sais plus. La première fois qu'ils ont parlé de ça en public et qu'ils l'ont dit, c'est le 3 avril 2014. Et mon hypnose à moi est datée du 1er avril 2014, soit 2 jours avant. Alors, il y a comme un. Comme ça reste en suspens dans. Ok, je décris des forces spatiales, je décris, comme dans mon film, des gens qui sont dans un vaisseau, qui travaillent en symbiose, un peu comme dans Star Trek avec différentes ethnies extraterrestres, humaines, comme un conglomérat interplanétaire. Je décris vraiment tout ça. Alors, je veux bien avoir l'esprit imaginatif, mais il y a quand même des limites, parce que là, ça sort au grand jour. Michael Sala, sur qui je me suis appuyé pour faire tu vois, mais je les ai lus, là, je les ai lus, mais maintenant, moi, je n'avais pas de connaissance de ça. C'est ça. Je n'ai pas la science infuse, je connaissais des choses comme tout le monde, mais pas ça. Et puis, je peux te dire qu'en 2014, on ne parlait pas d'esclaves sur Mars ou de choses comme ça. Et moi, j'ai parlé de ça. Et curieusement, mes parents m'ont dit, quand tu étais petit, tu avais quoi, 7-8 ans, tu disais souvent que tu te promenais dans des vaisseaux et tout, mais tout, on t'écoutait parce qu'un enfant, ça a l'esprit imaginatif, ça parle de choses, etc. Puis j'avais un petit journal de bord dans lequel je marquais toutes mes affaires et je parlais. J'étais dans un vaisseau, puis j'étais allé sur la Lune, puis. Je voyais, enfin, je faisais des sorties astrales aussi. C'est ça. Voyage astral, puis je disais que j'avais vu des gens sur la Lune qui étaient comme enchaînés, comme des esclaves, puis il y avait des petits gris qui étaient méchants avec eux. J'avais quand même 7-8 ans, là, quand même. Hein. Là, je me dis, ok, tu sais. Puis là, 30 ans plus tard, on apprend que, soi-disant, d'après certaines personnes, il y aurait des esclaves sur la Lune, des esclaves sur Mars. Que les gens seraient enchaînés, puis blablabla. Fait que là, tu te dis, ok, s'il y a plus de 30 ans, j'ai dit ça, quel curieux hasard, pareil. Quelle étrangeté d'imaginer un enfant avoir l'esprit aussi fertile. Alors, c'est là que tu te dis, ça se peut pas. C'est comme les gens qui font des hypnoses et puis qui disent, j'ai vu des vaisseaux avec des gens dans des. Comme dans des containers transparents, un peu comme du clonage, tu sais. Les gens, ils ont zéro culture là-dedans, et puis C'est ça. finalement, bah, il y en a plein qui font les mêmes régressions à différents endroits du monde, puis qui vont te raconter la même chose, comme les extraterrestres au Zimbabwe avec C'est ça. l'histoire des enfants dans l'école. Ils ont tous raconté la même chose. Donc, moi, je me suis questionné, donc j'ai décidé de faire mon film parce que,
en tant qu'adulte, depuis des années, je m'intéresse à ça maintenant. Puis j'ai des capacités en audiovisuel qui sont que je suis réalisateur de documentaires, de films. J'ai fait beaucoup d'effets spéciaux pour plein de gens. Des gens pour des films indépendants à Hollywood qui ont gagné des prix, des awards pour les effets spéciaux auxquels j'ai participé. C'est pas moi personnellement qui ai gagné, mais c'est l'équipe. Donc, étant donné que j'étais dedans et que je participais fortement, on m'envoyait les footage par Internet, par WeTransfer. Je les truquais, je leur renvoyais, ils remettaient ça sur la timeline, sur Final Cut, et puis balançaient ça. Et les 4-5 films que j'ai faits ont eu des awards. J'étais super content. Mais ce n'était pas mon projet. Alors, à chaque fois, on m'utilisait un petit peu, si tu veux. Puis je me disais, moi, là, si un jour, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ton film, Jean-Charles, sur ta vie? Oh, je dis, ouais, mais tu sais, c'est du boulot, hein, c'est de la job. Hein. Ouais, mais tu devrais faire ça. Et là, j'ai décidé d'entreprendre ça il y a 7 ans. Et je me suis dit, OK, je vais mettre tout mon temps, toute mon énergie, 18 heures par jour à travailler sur 5 secondes d'effets spéciaux, de mettre le paquet jusqu'à ce que je sois plus capable de tenir debout. J'avais les yeux comme ça, tu sais. Je te le dis, là, ça fait 2 ans, là, plein temps, là, depuis 2 ans, là, que je fais que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et investis toi moi-même, pris des emprunts, des hypothèques, etc. Et tout le monde me disait, ouais, mais tu sais, ton film, je veux pas être méchant, mais il fera pas le jour, Jean-Charles. Ça fait quand même 4 ans que tu es dessus. 7 ans plus tard, il sort. Me voici. Alors, le monsieur, il est pas mal fier de lui. Ben oui, tu Alors, il peux. dit, ouais, mais tu sais, quand tu es fier, tu es prétentieux. Non. Non, à un moment donné, quand tu n'es pas bon, on te dit que tu n'es pas bon. Et quand tu es bon, on te dit que tu es prétentieux. Il faudrait savoir. Moi, j'estime qu'à l'aube de mes 50 ans, curieusement, cette année, ça sera les 50 ans du Mufon aussi, en 69, j'ai une bonne étoile en ce moment qui m'ouvre toutes les portes. Ouais. On peut comprendre pourquoi. Pendant que je montais mon film, j'étais vraiment aligné. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui rentrait dans mon chakra coronal et j'étais pas capable de m'arrêter de travailler. Des fois, je me couchais à 7 heures du matin pendant que les enfants se levaient pour aller à l'école. Là, j'étais là, faut que je me couche, pas parce que je suis fatigué, parce qu'il faut que je me couche, parce que sinon je vais tomber. Et j'étais tellement, et quand je me couchais, que je dormais le peu que je dormais, je pensais encore en me couchant. Je disais, ah, faut que je fasse ça. Ah, ok, je vais faire ça. Là, je me réveillais, encore les yeux pleins de sommeil, je dormais quoi, 3-4 heures. Puis je recommençais. Un peu comme quelqu'un qui ferait de l'écriture automatique, tu sais. Le gars, il n'est pas capable de s'arrêter, il lui file une feuille, il écrit sur la table, il écrit sur les murs, parce que ça, le débit, il est constant. Tu n'es pas capable d'arrêter. J'étais pas capable d'arrêter. Puis les musiques qui sont dedans, tu as vu, elles sont hallucinantes. Je les ai achetées, j'ai payé les droits de tout ce que j'ai acheté. Et il y a des millions et des millions de musiques. Et je demandais simplement la meilleure musique pour moi et pour mon film. Guidez-moi. Un clic, un seul. Je tapais American Native, tout, pouf, première musique qui tombe. Aïe, 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 avec les tambours, là, quand je sors là, dans le Nouveau-Mexique, titanesque. Quand je l'ai vu sur un écran géant de 25 pieds par 30 pieds dans une salle de 250 personnes, là, en 4K, là, C'est chouette, hein? c'était, Alexis, c'était incroyable. Je pleurais. Physiquement, j'étais en larmes. Normal. C'était hallucinant. Parce que là, il y avait une dimension. Tu sais, en plus, mon film, il y a des scènes spatiales avec de. Ah ouais. Imagine-toi sur un écran géant de cinéma, là. C'est grandiose. Ça donne une ampleur et une valeur au documentaire qui est titanesque. Les plans avec le drone, quand je suis au Nouveau-Mexique. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand je suis au Nouveau-Mexique, je suis entouré de désert. On a marché pendant des heures avec Marc Saint-Germain, que je remercie encore d'avoir été là. Ah oui, un petit coucou d'ailleurs, hein, s'il nous Ouais, écoute. allô Marc. Et on était entouré de crotales, de serpents à sonnette. Il faisait facilement 30 degrés dehors. Et il faut faire attention, tu mets les pieds, mais le problème, c'est que comme tout est sec par terre, tout est desséché, asséché, et tu mets ta main dans des crevasses, la terre est creuse et tout, sans jeu de mots, eh ben. Tu te retrouves à foutre le pied sur un truc, c'est une branche d'arbre, mais ça peut très bien être autre chose qu'une branche d'arbre. C'est que j'ai pris des risques là, j'ai pris des risques aux Bahamas aussi. Aux Bahamas, on ne le voit pas, mais je l'ai coupé la scène, mais il y a un requin de 9 pieds noir qui arrive derrière moi.
Mais ma femme qui tient le drone, elle a le monitoring comme ça, mais il y a tellement de soleil qu'elle ne voit pas. C'est qu'elle n'a pas vu le truc arriver. C'est moi, au montage, que j'ai vu une ombre. J'ai fait, putain, c'est quoi ça? C'était un requin. 9 pieds, là, c'est grand, là. Mais apparemment, c'est un requin nourrice. Ça ne mange pas les gens. Ah. Mais bon, moi, je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas dans mon environnement. C'est dans le sien que je suis. Puis, en plus, anecdote, c'est que je suis quand même à poil, quoi. Ah oui, parce que je suis dans mon bain. Si je me téléporte, je ne vais pas arriver habillé. C'est Donc, ça, voilà. j'arrive tout nu. Il faut que la logique soit un peu comme Arnold, hein. Quand il se téléporte tout nu, Arnold, il arrive tout nu. Tu comprends? Fait qu'il y a des logiques qu'il faut rester. Vrai. Puis, en Arizona aussi, j'avais une scène où je marche dans les cactus, que tu vois. Oui. Et normalement, je marchais pieds nus. J'ai arrêté la scène tout de suite parce que il y a des aiguilles comme ça. Cactus, ça traverse tes pompes. Il y a même ça, il y a ça de caoutchouc, ça traverse. Fait que j'ai gardé mes chaussures. Ça, c'est les petites anecdotes. Donc, j'ai pris beaucoup de risques. Il n'y a aucun fond vert. Ça, c'est important. Partout où j'allais, j'écrivais ma scène dans l'avion. Je savais où j'étais. Et il me disait, je pars en voyage pour une chose autre, comme pour un colloque, pour un symposium au MUFON, pour les EB Awards, les Alien Awards, parce qu'on a présenté le programme spatial clandestin que j'ai fait avec Marc Saint-Germain l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. On était là avant, on a été sélectionné, etc. On n'a pas gagné pour des raisons que je rentrerai pas dans les détails, mais bon. D'accord. Ben oui, je peux rentrer dans les détails, hein. Tu veux que je rentre dans les détails? Si tu veux, oui, vas-y, hein. Tu sais, quand tu fais, c'est une parenthèse à mon film, quand tu fais un concours comme ça, un festival, tu as ton film qui est vu par des jurys. Et puis, ce film-là, après, il est noté, on met une note, la vidéo, la nanana, puis ça passe. Puis après, tu es sélectionné ou pas, puis tu es le soir au grand banquet, pardon. Et puis, ton film est diffusé en prime time. Et là, à ce moment-là, tu as des prix, tout ce que tu veux. Bon, c'était des petites extraterrestres. Et là, notre présélection, elle a eu lieu dans une petite pièce de 45 mètres carrés. Sur une télévision de 25 cm, avec un son de télé, à 7 heures du matin, avec plein de gens âgés sur une table qui dormaient à moitié avec leur pad. J'ai fait, OK, d'accord, passe mon film dans la grande salle, comme tout le monde, ça est arrivé, puis on verra comment. C'est évident qu'on n'a pas gagné, on n'a même pas été présélectionné, alors que quand ils ont reçu notre bande-annonce pour la présélection, t'envoies ta bande-annonce, puis ils regardent, ils font OK, on vous sélectionne. Ça n'a pas pris. En général, ils répondent au bout d'une semaine ou deux, parce que t'es pas le seul. T'sais. Ils nous ont répondu dans l'heure. On est intéressé par votre film, envoyez-le nous. Et d'un seul coup, t'es même pas présélectionné, tu comprends? Et on avait fait un truc de fou avec le projet spatial clandestin. J'avais créé un vaisseau tout en 3D, on marche sur le pont, et puis on est habillé en blanc avec Marc, puis on est comme ça, on tient une balustrade. Puis on regarde, puis on voit l'espace qui passe, puis lui il est en train d'être sur les ordinateurs. Je sais pas si tu l'as vu le film. T'as-tu vu? Oui. Le Ah non non pas non excuse-moi non non. Le programme spatial clandestin, on parle de Gary McKinnon, on parle d'Edward Snowden, on parle des Oui. nazis, on parle de tout ça. C'est vraiment un documentaire qu'on a mis des semaines à faire, jour et nuit. On a travaillé pendant plus de 20 heures ensemble, on était défoncés. On l'a fait en français, en anglais, puis en tout cas. C'est quelque chose de titanesque. Et puis là, les gens n'ont pas pris la peine de le juger comme ils auraient dû le juger, tu comprends? Donc, on pense qu'il y a peut-être des préférences ou quelque chose qui est passé à la trappe parce que tu peux pas avoir un intérêt pour un film le mardi et puis la semaine d'après, t'as même pas 1/10, quoi. Ça marche pas. Donc, j'ai dit, ça c'était la parenthèse pour te dire. Je n'ai même plus de quoi je parlais juste avant. Bah, tu parlais, oui, de la réalisation et surtout des risques que tu as pris avec. Les risques. Et donc, c'est ça. Donc là, moi, j'ai décidé de récidiver avec mon film. Et comme c'est ça, on allait à des endroits différents pour des colloques. J'ai dit, oh, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai dans le désert du Nouveau-Mexique. Hein, c'est parce que ce n'est pas tous les week-ends que j'y vais. Donc, je me suis dit, on va là-bas. On reste, le colloque, c'était 2, 3 jours. On reste une semaine de plus, puis on shoot à fond. On a eu le drone et la totale. On est allé dans une réserve indienne. On a failli se faire tuer parce que les Blancs n'étaient pas acceptés, les touristes n'étaient pas acceptés. On était vraiment dans une réserve amérindienne, américaine. Je te le dis, là, c'était des kilomètres de désert, là. Peut-être avec des carcasses sur la route, là, comme dans les films, ben, pour de vrai.
Et puis, on a laissé notre auto quelque part, puis après, on a marché pendant des heures, puis on est en. Écoute, les plaines sont. Enfin, je fasse un making-of à un moment donné parce que Ouais. c'est hallucinant tout ce que j'ai vécu là-bas. Et donc, il n'y a aucun fond vert, c'était ça que je disais. C'est ça. Donc, j'ai vraiment maximisé tous mes voyages et c'est ça qui est beau, c'est que tu pars à chaque fois pour un voyage incroyable. Quand on est aux Bahamas, on est aux Bahamas. Quand on est en Arizona, on est vraiment là-bas et au Mexique. Et ce film a été fait avec toute ma passion que j'ai du cinéma. Avec toute ma passion au niveau effets spéciaux, j'ai pas regardé la dépense. J'ai dit, je mets le paquet. Bien sûr qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Mais à un moment donné, quand tu mets ta maison en investissement En hypothèque, ouais. en hypothèque, il reste plus grand-chose. Je pense que j'ai fait le maximum que j'étais capable de faire avec aucun budget, dans le sens que c'est mon budget à moi. Les subventions, j'en ai pas eu. Pourquoi? Parce que c'est pas le genre de sujet qu'on subventionne, hein, bien sûr. C'est quoi votre sujet? Ah, oh, ben, je parle d'extraterrestres. Ok, d'accord. Ils répondent pas. Tu aurais répondu autre chose, ils t'auraient filé. Et je connais des gens qui ont fait des films qui sont corrects, mais qui n'ont rien à voir avec ça, puis qui ont eu des 1 ou 10 millions de budget par des subventions. C'est ça. Donc là, je me suis dit, je veux pas être pieds et poings liés, être obligé de rendre des comptes à des gens, parce que c'est ça, hein. On te prête de l'argent, mais c'est pas pour tes beaux yeux, hein. Il faut que tu fasses ça, puis vos extraterrestres, je les verrais plutôt mauves. Et C'est puis, ça. l'actrice l'a vu. Non, non. L'actrice, c'est ma femme. L'acteur, c'est moi. C'est mon histoire. Plus, moi, j'ai déjà un background en temps normal qui suit que je suis expert en arts martiaux. C'est pour ça que les scènes de combat sont assez réalistes, étant donné que les gars qui me donnent la réplique, c'est des gars de combat. De UFC, des professionnels que j'ai ici au Canada. Et la petite anecdote, là, quand je me bats c'est pas une usine, c'est une ancienne base militaire, et ben, on s'est vraiment frappé. Nos coups étaient vraiment portés. Ça. J'avais des ecchymoses et des micro-fractures sur les bras pendant 10 heures de temps. On s'est tapé dessus. Il fallait que ça ait l'air réaliste. Quand il y en a qui disent, oh, on dirait qu'ils se touchent pas, non, on se touche. Je te le dis, je m'en souviens encore. Mais c'est correct. On veut quelque chose qui soit réaliste, quelque chose qui bûche. Ouais. Et les gens me disent, mais pourquoi vous avez dit fiction? Pourquoi? Parce que, je veux dire, un gars assis sur une chaise qui fait un monologue pendant 1 heure et demie, ça n'intéresse personne. Il faut mettre un petit peu de viande autour de l'os, comme on dit chez nous. Il faut le média audiovisuel est là pour justement supporter l'histoire et que ça soit plus agréable à regarder, que ça soit plus facile. Alors, tu mets des belles musiques, tu mets des beaux effets, etc. Mais tout en restant correct, dans le sens que on n'est pas dans le farfelu. Tous les gens qui sont interrogés dans ce film-là sont pas des acteurs, sont des gens réels, des gens qui sont aux Bahamas, ce ne sont pas des acteurs. Ouais. Mon histoire à moi, à part le fait que je ne m'appelle pas Jonathan Fox, ça m'est vraiment arrivé. Alors évidemment, selon ma perception, selon mon histoire à moi et ce que mes parents m'ont dit, c'est arrivé. Alors là où ça va être intéressant, hein, ce que je vais te dire, comme ça l'est depuis tantôt, c'est que des années plus tard, avec l'outil informatique d'Internet, on est capable de faire des recherches. Et ça fait pas beaucoup de temps que je sais que la plage sur laquelle j'ai disparu, c'était l'île d'Oléron. Alors OK. l'île d'Oléron, elle est où? Elle est en Charente-Maritime, en face de l'île de Fort Boyard. Ah. Et là, j'ai commencé à regarder les rapports d'observation d'OVNI dans la Charente-Maritime, qui sont nombreux. Et figure-toi qu'en 73 et dans d'autres années aussi, eh bien, il y a des gens qui ont observé un objet volant non identifié, métallique, lumineux sur la plage où j'ai disparu. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que ça veut dire que non seulement j'ai bien disparu, comme mes parents m'ont dit, deuxièmement, j'ai pas rêvé où j'étais, parce que des gens extérieurs, alors je pense que c'était un monsieur âgé de l'armée, puis un autre gars, enfin, ils étaient là, puis ils ont dit, hey, c'est quoi là-bas? Puis ils regardaient comme ça. Puis ils ont vu un truc bizarre au-dessus de la plage de la baie des Sables, où moi j'étais. En 73, en juillet, dans la période où j'étais. Là, ça commence à converger plus, dans le sens que, un, nous ne sommes pas seuls, et effectivement, il y avait des gens qui étaient là. Tu comprends? Alors bon, petite anecdote aussi, il y a une femme qu'on avait vue ici au Québec,
qui avait dit qu'elle avait vu, enfin, dans la nuit, elle avait été enlevée par des extraterrestres, elle avait été dans un vaisseau, et puis dans ce vaisseau-là, elle a vu à travers la baie vitrée qu'elle était au-dessus d'une ville, elle voyait une piscine, enfin bref, c'était bizarre, etc. Bon. Cette dame-là, elle habite en campagne, loin de la ville. Le lendemain, dans les journaux, il est dit que l'OVNI de la place Bonaventure au Québec, qui a fait couler beaucoup d'encre, dans la même époque que la vague d'OVNI en Belgique, Oui, tout à fait. eh bien, cet OVNI s'est stationné place Bonaventure au-dessus de l'hôtel Hilton, sur lequel il y avait une piscine, dans lequel il y avait des gens qui regardaient et qui ont vu ça. Et elle, elle dit qu'elle est dans un vaisseau, puis qu'elle voit des gens dans une piscine. Alors ça, évidemment, on va dire, ouais, mais elle a dû dire ça. Bon, en tout cas, t'es toujours mort. Et là, elle dit ça à sa voisine. Elle dit, ouais, tu sais, il m'est arrivé ça, je pense que je deviens folle. Puis sa voisine a l'air super dubitative, tu sais. Elle dit, bah, tu sais, je vois ta tête, je suis sûr que tu dois me prendre pour une folle. Elle dit, non, non, c'est pas ça. Elle dit, tu sais que je me lève souvent la nuit pour fumer une clope sur le bord de mon perron. Elle dit, ouais. Ben, j'en ai parlé à personne, mais cette nuit, je me suis levé pour fumer. Elle dit, ouais, et puis, ben, j'ai vu un truc lumineux, très, très lumineux, au-dessus de ta maison qui tournait comme ça. Fait que l'autre était réveillé. Imagine, t'as la preuve, sa voisine a s'est levée pour aller fumer sa cigarette, puis elle a vu l'engin au-dessus de la maison de la fille. Fait que là, c'est sûr que tu peux pas rêver. Alors, quand les gens disent, ouais, c'est pas vrai, mais là, tu t'expliques ça comment? Alors, t'adores pas, elle n'est pas somnambule. Elle n'est pas somnambule, elle est là en train de voir. Alors, un, elle a confirmé qu'elle n'avait pas rêvé. Deux, l'autre, elle a dit qu'elle avait vu un ovni, puis qu'elle était dedans, puis qu'elle voyait la place Bonaventure avec la piscine. Et trois, les gens qui étaient dans la piscine, qui sont sortis, sont allés à leur chambre d'hôtel, comme je dis dans mon film, à 22 h, ils ont pris l'ascenseur. Ils appuient sur le petit bouton. Les portes se ferment et quand les portes se rouvrent, il est 4 heures du matin. Quelqu'un peut m'expliquer comment tu peux perdre autant de temps manquant? C'est ça. D'ailleurs, Marc Saint-Germain, petite parenthèse, voilà, Marc Saint-Germain, que j'avais d'ailleurs reçu sur la chaîne, il y a une bonne année de ça, m'avait justement parlé de cet événement Place Bonaventure, qui est très connu au Canada, et connu partout maintenant d'ailleurs, et effectivement, il avait donc vécu aussi également un temps manquant en prenant l'ascenseur, si je ne m'abuse. Il avait expliqué ça, donc ces temps manquants sont très importants. Justement, petite parenthèse, est-ce que toi, avec les personnes avec tous ces enquêteurs que tu rencontres, etc., toutes ces personnes enquêteurs et enquêteuses, hein, si je puis dire, parce que voilà, c'est pas réservé qu'à la gent masculine, bien entendu, le fait que tu aies été enlevé et que personne ne t'a vu disparaître et réapparaître, est-ce que tu crois que ça fait justement partie de ce phénomène de temps manquant? Est-ce que tu penses que, ou en tout cas, est-ce que tu as entendu dire que ces êtres extraterrestres, intraterrestres, hein, appelons-les comme on veut, finalement, ils sont pas, voilà, ils sont pas très 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 humains, peuvent justement opérer sur le temps, justement, parce que on te voit disparaître, je veux dire, non, on te voit pas partir dans une soucoupe, je pense que les gens ne... Les Voilà. gens, auraient Ils n'ont réagi tout même de pas le suite. cas. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de gens qui décrivent, par exemple, qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent comme ça, hein, ça fait comme un carré de lumière, puis ils sortent du mur, puis ils sont capables de sortir de ta voiture pendant que tu conduis Ouais. et faire ce qu'ils ont à faire et te remettre à un instant précis C'est ça. dans ton auto, OK. réattaché avec ta ceinture, et toi, il s'est passé un battement de paupières. C'est des gens qui maîtrisent le temps comme nous. On maîtrise autre chose. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on maîtrise, mais en tout cas, à part la connerie humaine, hein. Ça c'est Des fois, j'ai honte d'être humain quand je vois les atrocités qu'on fait à nos semblables, les guerres, le racisme. On est tous frères, les religions, c'est vraiment pas bon. Je veux dire, on devrait tous s'entraider, s'aimer. Ouais, ça fait secte. Mais non, ça ne fait pas non, pas secte. du tout, mais non, Et il faut s'aimer, s'entraider. c'est la Et puis, base. quand on voit ce qu'on fait aux animaux,
Et qu'après, eux, en haut, ils nous font des trucs hein, bizarres un peu. Et puis, on se dit, mais quand ils nous voient, ils disent, mais vous faites la même chose, vous, avec vos frères animaux. Mais un chien errant qui se promène dans la rue et qui va rentrer dans un incendie pour sauver un bébé, c'est réel ce que je te dis. Tout à fait. Il brûle tous les poils et tout, et il sort avec le nourrisson. Les Absolument. pompiers n'ont pas pu rentrer. Voilà. Cet animal-là, tu vas aller le massacrer, le tuer, alors qu'il ne te connaît même pas, il vient de te sauver. Prends exemple sur les animaux, tu sais. Fait que là, quand il nous arrive quelque chose dans la vie avec les extraterrestres, puis qu'on dit, ah, ils sont un peu intenses avec nous, ben, eux, ils se disent, ben, pourquoi nous, on ne ferait pas pareil? Tu sais, quand tu vois combien d'années, tu sais, nous, en 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Hein, tu sais ce que j'ai dit? On est allé sur la Lune, soi-disant. On a posé le pied là, soi-disant. Mais en vérité, en 50 ans, à peine, on a soi-disant fait des choses. On a inventé l'ordinateur, le micro-ondes, etc., etc. Mais eux, ils ont des millions d'années en technologie sur nous. Mais nous, déjà, en 50 ans, on se pète les bretelles, on est là, on est hot, on est hot, on fait ça, et puis on a un super cellulaire, il y a le 5G qui va tous nous tuer, tout ça. Mais je l'ai placé. Oui, c'est bien, c'est Je me bon. suis dit, ouais, il faut que je la replace une à un moment donné. Chez moi, Mais tu c'est. peux. Chez moi, tu peux. Ouais, mais tout ça pour dire que je me trouve très présomptueux, très prétentieux de dire qu'on est les seuls dans l'univers. Et puis surtout que, tu sais, quelqu'un qui aurait. Déjà, quand tu as quelqu'un qui a 10 ans de plus en technologie, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un mec que je connaissais, il travaillait chez Intel, il me dit, ouais, il y a un ordinateur qui va sortir avec un processeur Pentium. Là, on rigolait, Pentium, ça fait pintade, ça fait, c'est pas rigolo, c'est pas sérieux ton truc. 7 ans plus tard, le premier Pentium sort. Et 7 ans plus tard, c'est juste 7 ans, tu sais. Et là, on était avec des vieux 486 à l'époque, là, puis on était super contents, on faisait des copies parties avec des disquettes, plutôt. Puis là, il nous parle d'un processeur qu'il avait déjà testé. Fait qu'est-ce qu'on a vraiment en ce moment en stock qu'on ne nous dit pas? Les hologrammes, le projet ARP, le projet Blue Beam, etc. Tous ces projets-là qui sont que l'holographie commence à sortir. Là, les Japonais, ils ont un truc qui tourne, là, puis là, ça fait des images. Là, on est là, oh, c'est beau, mais si on te montre ça, il existe déjà d'autres technologies beaucoup plus avancées qu'on ne nous dit pas, Voilà, comme le tout à fait. clonage, etc. Absolument. Donc là, on parle de quelque chose de 15-20 ans. Alors, tu sais, nous, la NASA nous a servi comme soupe. On est allé dans l'espace, il n'y a personne là-bas, nanana, mais tout ce qu'on sait, c'est eux qui nous le disent. On n'est pas allé vérifier pour voir si c'est vrai. On ne peut pas aller vérifier. Et on ne peut pas. Voilà. Donc, on se fie à ce qu'ils disent dans les livres Voilà. d'histoire, dans tout ça. Puis, on se rend compte que finalement, rien n'est vrai parce que l'histoire n'est plus la bonne puisqu'on découvre des fresques avec des peintures rupestres dessus, à l'époque des hommes préhistoriques où on voit un ovni. Ça vient de tout débalancer. Donc, il faudrait réécrire tous les livres. Alors, c'est mieux de mentir. Comme ça, bah, la pilule passe mieux. Mais les gens, maintenant, se réveillent. Alors, les gens, bah, ils se réveillent en écoutant des films parce que les films sont des films à message. Il faut lire entre les lignes. Les Matrix, les quatrième type, rencontre troisième type, tous ces trucs-là sont là pour éveiller la conscience des gens. Et c'est ça que je veux faire avec mon film. C'est pas seulement un beau film documentaire avec des effets spéciaux. Bien C'est un sûr. truc pour dire que on nous cache des choses. Puis c'est pas, j'ai pas la science infuse, hein, parce que quand tu vas aux États-Unis, c'est plein de choses comme ça. Corey Good, il met le paquet. Le film qui va sortir là, Alien Seeding. Ça parle des abductions puis des inséminations artificielles avec les extraterrestres. Puis c'est des gens qui sont chevronnés, qui sont vraiment top-notch dans la hiérarchie physique, quantique, puis tout ça. Des gens comme Nassim Haramein aussi, qui est une personne extraordinaire, qui parle de trous de ver, de trucs comme ça. Jean-Pierre Petit, tous ces gens-là décident de maintenant de lâcher des informations. Alors là, maintenant, quand tu es jeune, on dit « Oh, il est fou ». Quand tu es vieux, on dit « T'es un vieux sénile ». Finalement, à chaque âge, sa folie. Et puis, maintenant que les réseaux sociaux existent, on est capable de se partager comme on fait en ce moment, et je trouve ça vraiment génial, de partager l'information à qui veut l'entendre. Après, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est correct. Tu as le droit de pas y croire. Mais par contre, ce que tu n'as pas le droit, c'est de traiter l'autre de fou, de menteur ou quoi que ce soit. Parce que très honnêtement, quel intérêt on aurait à raconter des conneries pareilles? Oui, c'est À ça. inventer des choses pareilles. C'est ça. C'est-à-dire, lui, là, quand il écrit dans son bouquin, je ne sais pas si tu les as lus, moi, je les ai lus, les trois. Je veux dire, il donne des détails, des noms, des chefs d'État, des heures, des lieux, puis des gens. Il est allé sur place interroger les gens du bouquin.
William Tompkins, qui est décédé l'année dernière, il l'a interrogé. C'est lui qui a quand même eu une interaction avec des extraterrestres, Bob Lazar, tous ces gens-là. Ce n'est pas des fous, quoi. Alors évidemment, après, comme je te dis, on n'est pas là pour convaincre le monde. On est là pour simplement se servir du média comme outil pour amener les gens à une compréhension. C'est-à-dire que, regarde, voilà un bouquin, prends-le, écoute-le. Si tu as des questions, je suis là, ça me fera plaisir. Mais tu sais, il y a des années, on disait, l'homme ne pourra pas aller au-delà de 60 km/h, sinon il va imploser son organisme. On va à Mach 4, Mach 5. On n'implose pas. Alors la vitesse lumière, mais moi je dis, mais attendez, à un moment donné, on va être capable de faire des trucs. C'est simplement que peut-être qu'on est capable de le faire, mais qu'on ne veut pas nous le dire parce que ça arrange des gens qui sont les élites. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui sont élites, hein. Il y en a peut-être, je pense que c'est comme 12 ou 15 personnes qui sont les plus élitistes dans le monde. Alors le peuple est quand même, on est quand même plus fort, je veux dire, on est quand même plusieurs milliards sur la planète. Qu'est-ce qui fait que ça sort pas au grand jour? Il y a des gens comme Donald Trump qui font de bonnes choses, mais on dit qu'il fait des mauvaises choses parce que ça nous arrange plus. Je veux dire, il a quand même démantelé des réseaux de pédophilie énormes. Il a quand même fait des choses positives. Alors bien sûr qu'il n'est pas parfait, mais putain, vas-y, être président des États-Unis, c'est quand même l'homme le plus puissant du monde. Ça va pas être de la tarte quand même de faire tout ça. Alors c'est facile. De toute façon, tous les présidents, quels qu'ils soient, ont toujours été critiqués. Il n'y en a jamais un qui est toujours bien, etc. Mais lui. Le problème, c'est que il s'auto-suffit, dans le sens que il n'a pas besoin de personne. Il a de l'argent, il a fait 6 faillites, il est devenu 6 fois doublement milliardaire, et donc il n'a pas eu de campagne de payer. Donc il est dangereux dans le sens que il ne peut pas être arrêté parce qu'il fait tout seul. Il délègue, il va pas telle partie, tel machin. Donc ce gars-là, il parle quand même de la Space Corp. Il a dit qu'il voulait que les États-Unis aillent dans l'espace avec une armée dans l'espace. C'est-à-dire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on y est déjà dans l'espace. Quand on t'annonce quelque chose à la télévision, c'est parce que ça existe déjà. Hein? Il a dit qu'on était dans l'air, dans la mer, dans la terre, et qu'il voulait maintenant qu'il y ait une autre branche dans l'espace, mais une branche armée. C'est fait pour quoi, d'après toi? C'est fait pour défendre quelque chose. Qu'est-ce que tu défends dans l'espace si on est tout seul, soi-disant? Voilà, c'est tout. Et le logo qu'ils vont utiliser ressemble étrangement au logo de Star Trek, avec un V inversé. Moi, je pars du principe que il y a du bien, du bon et du mauvais dans ce qu'il fait. Hein, ok, il n'est pas parfait, mais par contre, de tous les présidents actuels, ben, c'est quand même lui qui va ouvrir la route pour ce genre de choses, dans l'espace, etc. Alors bon et mauvais justement c'est le mot d'ordre dans le film, on va pas tout révéler parce que justement ça on va voilà, mais tu ne parles pas que des gentils extraterrestres qui vont nous sauver, tu sais, comme certaines personnes osent prétendre, voilà, avec des paillettes et des fleurs, voilà, il y a un petit peu de tout hein, c'est comme ici-bas, voilà, Voilà, donc donc tu tu. Mais c'est bien, j'aime bien que tu dises ça parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais là, vous parlez beaucoup des méchants, vous parlez pas des gentils. Ça, c'est l'inverse que tu me dis. Tu parles des gentils, mais bon, il y a aussi des méchants. C'est marrant, c'est la première personne qui me dit ça. C'est génial. Mais oui, il y a les deux, il y a les deux. Et à chaque chose, il y a son contraire. Le plus, le moins, le mal, le bien. L'un ne coexiste pas sans l'autre, c'est obligé. Par contre, c'est sûr que un humain méchant et un humain gentil, tu sais, c'est égal. Mais un extraterrestre pas gentil avec un humain, c'est quand tu vois les capacités cérébrales qu'ils ont, comme j'explique qu'il y a les reptiliens qui sont quand même des. Dans les reptiliens, il y a différentes castes, ok? Il y a les reptiliens de la Terre, donc qui sont ici sur Terre et qui vivent au centre de la Terre, selon certaines théories, bien sûr, je vais encore dire selon certaines théories, du monde intérieur, les intraterrestres aquatiques, les intraterrestres terrestres, dans le sens qu'ils sont sur la Terre, les extraterrestres reptiliens et la lignée royale des extraterrestres reptiliens qui sont les Draco. Draco serait une lignée qui serait royale et qui ferait 7 pieds minimum. 7, 8, 9, 10 pieds. Avec des ailes dans le dos faisant penser à des dragons et puis avec des capacités cérébrales de 150%. Donc, télékinésie, téléportation, j'en passe des meilleurs. T'as beau t'appeler Bruce Lee, il fait une bouchée hein, de toi. Fini.
Alors, c'est sûr et certain que ça, c'est pas positif. Puis apparemment, ils sont super actifs dans le système solaire. Ils foutent la merde à peu près un peu partout où ils passent. Ils font des alliances avec des gens pas très recommandables comme les nazis pendant la guerre, où ils ont fait des soi-disant, encore une fois, avec ce que dit Michael Sadar, des alliances. Alors, et puis ils échangent du monde. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu pendant la guerre en 39-45, qui n'ont pas fini dans des camps de concentration. Il y a des gens qui ont disparu mystérieusement, qu'on n'a jamais retrouvés. Ça serait soi-disant d'après des échanges technologiques, comme bah, par exemple, je te file 500 souris, tu me donnes un sandwich. C'est un peu ça. Mais là, ils donnaient des humains. Tu sais, il y a les parcs nationaux, Yellowstone et compagnie, il y a plein de gens qui disparaissent chaque année. Ils n'ont pas été dévorés par des ours. Leur camping-car disparaît avec leurs valises. Je veux dire, les ours ne mangent pas de valises et de pneus, puis de tôles. Alors, il y a quand même quelque chose de très étrange qui se passe au niveau disparition. Tu sais, il y a toujours un pourcentage de des gens qui sont morts assassinés, des gens qui sont morts dans des sectes, des gens qui ont fait des fugues, des gens qui n'ont pas voulu être retrouvés d'après les enquêtes policières. Et puis, il y a un pourcentage, peut-être 2% ou 3%, qu'on ne retrouvera jamais. Mais rien. Ben, c'est parce qu'ils ont été shippés ailleurs. Ils ont été envoyés ailleurs. Ils ont été envoyés sur Mars, sur la Lune ou sur d'autres planètes, comme peut-être main-d'œuvre, production, comme je dis, ou nourriture, ou je sais pas. L'être humain est quand même un être fantastique à la base. Il a quand même des qualités. On n'est pas tous des abrutis finis, et puis on ne pense pas qu'être notre voisin. Fort heureusement, c'est une minorité, mais il y a des beaux êtres humains. Je veux dire, je pense que l'harmonie pourrait venir. Mais il y a toujours un petit groupe qui fout la merde. Et là, manque de peau, c'est tout le reste de l'humanité qui trinque. Parce que tu sais, il y a des êtres humains fantastiques. Moi, je suis au Québec, pour pas citer, puis les gens sont merveilleux. Je veux dire. Est-ce que tu penses justement que, alors toi qui vis maintenant donc depuis quand même pas mal d'années, 16 ans déjà, au Canada, est-ce que tu penses justement, parce que j'en parle souvent avec les intervenants hors caméra, mais là ça donne justement un peu l'occasion, est-ce qu'il y a une plus grande ouverture au Canada qu'en France, qu'en Belgique, qu'en Europe? Alors je sais que c'est pas une question qui tient à diviser quoi que ce soit. C'est simplement un premier ressenti, toi, voilà, sur la question. Très honnêtement, il y a des gens ouverts et il y a des gens qui ne le sont pas dans tous les pays. Et la France, il est évident qu'en France, il n'y a pas la même ouverture d'esprit. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plus de camaraderie en France, qu'on a tendance plus à rire du phénomène OVNI ou des extraterrestres parce qu'on pense forcément à la soupe aux choux avec Jacques Villeret et Louis de Funès. Alors, c'est sûr et certain que. Il y a des gens que je connais qui sont des pointures ici au Québec et qui sont allés faire des conférences en France et qui se sont fait quasiment accueillir avec des tomates. Alors qu'ici, ils sont connus et qu'ils remplissent des salles et puis c'est des gens qui sont très sérieux, qui ont fait de grandes études, qui ont des doctorats et puis qui sont vraiment des gens très très pointus là-dessus. Alors oui, en France, j'étais un petit peu déçu de la réaction de certaines personnes vis-à-vis, vis-à-vis de mon film, parce que. Mais en même temps, il y a un petit nombre de personnes qui m'écrivent en privé et qui me disent, vous savez, moi il m'est arrivé ça, mais j'ose pas en parler parce que j'ai peur de me faire juger, critiquer et perdre mon travail. Je fais, oh là là, ça va loin là. Ah, dit, ouais, vous savez, c'est. Puis, vous savez, un plateau télé, on va pas, admettons, à tout le monde en parle, on va pas vous amener à parler de ça parce que, un, vous allez peut-être affoler la population. Deux, c'est pas le genre de sujet qu'on traite. Avant, il y avait Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes, où, dans lequel était invité souvent Jimmy, mais il le ridiculisait. Tout le temps. Il traînait dans la boue, c'était terrible ce qu'il faisait. Ouais. Et le pire, c'est qu'il y a des présentateurs, dont je ne citerai pas le nom, Non, bien sûr. à qui il est arrivé des choses, mais qui ne peuvent pas en parler parce que leur agent leur dit, si tu dis ça,
c'est ta dernière émission de télé, mon gars. Tout à fait, absolument. Forcément, bah, tu les rencontres en petit comité privé, dans un restaurant, puis ils te disent, t'as pas de micro, t'as rien. Bah, moi, il m'est arrivé ça. Alors, c'est triste, je trouve ça triste. Mais il y a beaucoup de Français qui sont comme, comment je pourrais te dire, influencés par l'opinion des autres. Quelqu'un va dire, ouais, c'est des conneries, machin. L'autre, il va dire, ah, ben ouais, c'est des conneries. Parce qu'il veut pas être différent des autres. Il a peur d'être jugé. Tout à fait. Mais je pense que tous les Français sont pas à mettre dans le même panier. Non, absolument pas, absolument pas. Oui. Mais je suis certain que si tu les prenais au cas par cas, et nous avons des cas en Oui. France qui ne sont pas vraiment pris au sérieux et en compte, et ils nous écrivent, nous ici, parce qu'on parle français, bien sûr. Et on est obligé d'envoyer des gens de chez nous pour aller les voir, et à qui il arrive des choses dignes d'un film de science-fiction, dans des vaisseaux, des abductions, des grilles qui viennent les voir et tout, des trucs terribles, un peu à la quatrième type avec Mila Jovovich. Et ces gens-là ne veulent pas parler pour ce que je viens de te dire, la crainte. Donc je pense qu'il n'y a pas de pays plus ou moins. C'est sûr qu'au premier abord, quand tu regardes ça comme ça, tu as l'impression que la France, ils sont fermés. Mais je pense qu'on veut les fermer. C'est Parce que ça. les Français, eux, veulent savoir. C'est OK. ça la différence. Alors les médias sont là pour essayer de t'empêcher, mais c'est pour ça, grâce à l'Internet et grâce à ton émission, eh ben, les gens vont pouvoir savoir qu'il y a des cas en France. Il y a des cas en France, je vous le dis là. Des cas Absolument. hallucinants. Oui, Ça peut être votre voisin. oui. Moi, je disais, à un repas, tu as une quinzaine de personnes, puis tu dis... Zéro jugement. C'est ça. Dis-moi, à qui est arrivé de quoi? Aussi bien un objet lumineux, un contact, premier, deuxième, troisième, quatrième type, on s'en fout, allez-y. Je te jure, Alexis, dans la table, il y a au moins 5 personnes sur 15 qui est arrivé de quoi? Je te le dis. Et l'autre fois, à une table, on était une quinzaine, il y avait quasiment 8, 9 personnes à qui est arrivé de quoi? Que ce soit elle, sa mère, sa grand-mère, mais il y a au moins quelqu'un qui connaisse Mais c'est à ça. qui est arrivé quelque chose. Et digne de foi? Digne de foi. Alors c'est très important ce que tu dis parce que en fait, je remarque en 2019, je pourrais éventuellement aller là faire un micro-trottoir. J'en ai jamais fait. Tu devrais faire ça. Je sais pas. Je sais. Je me dis en 2019, eh bien, je suis même certain, mais quasiment certain que peu de gens vont parler. Non, tu fais... Non, Tu crois? moi, ce que je te conseille, c'est simplement dire un petit sondage comme ça. Ouais, un petit sondage. Croyez-vous aux extraterrestres? Tu sais, tu vas vraiment progressivement, tu dis pas est-ce qu'ils sont là? Oui, bien entendu. Mais là, c'est la première étape. Mais Et là, c'est tu vas aussi. voir que tu vas être surpris. Ouais. Alors c'est vrai que oui. Alors hors caméra, je suis certain qu'il le dirait, mais avec caméra et enregistrement à l'appui. Donc c'est pour Ouais, ça parce que là, que on voit leur visage. je Alors que l'autre dit, précise. ben, je vais vous Ouais. masquer, mais bon, ils n'ont pas confiance. Alors, il y a peut-être des gens qui ont vu de quoi, qui ne te le Ouais. diront pas de peur. Non. De représenter en disant hey, je t'ai vu à la télévision, ça paraît dingue. Mais Non, moi, c'est ça. ça fait peu de temps que je suis sorti du Ouais. placard galactique, comme on dit. Oh, mais il y a pas de temps, hein, tu le sais bien, donc. Je sais, mais c'est parce que moi, vu ma position au niveau du MUFON, je ne veux pas que les gens ils disent ah ouais, l'autre, il est au MUFON, il se prend pour je ne sais pas quoi. Là, bien sûr, il est arrivé de quoi? Ben oui, forcément que si je suis dans le MUFON, c'est parce que j'y crois. Et il y a D'accord. peut-être d'autres choses. J'ai attendu un petit bout de temps, j'en ai parlé pas mal avec Marc et tout ça, puis on a dit faire attention à ce qu'on dit, mais s'il y a une manière de l'aborder et que tu ne te prends pas pour quelqu'un d'une secte ou n'importe quoi, Ouais, c'est eh ça. ben, si tu dis les choses avec ton cœur et comme le ressenti, puis les gens sont quand même capables de voir si tu mens. Je veux dire, je n'ai pas une tête d'illuminé, je n'ai pas une tête de fou, je ne me prends pas pour le Christ ou je ne sais pas moi. Le grand monarque ou je sais pas quoi. D'autant plus que l'ufologie, en principe, n'a rien à vendre, hein. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas, Mais non, voilà. mais bon, il y en a qui vont dire, ben oui, il a son film à vendre. Oui, mais bon. C'est aucun rapport. Ça, c'est différent. Ça, c'est un. Je mérite quand même d'avoir de l'argent avec tous les ce que j'ai pris et surtout qu'en plus de ça, j'ai tout risqué dans ma vie pour le faire. Donc, il est logique que je vais pas aller à mon banquier en disant, eh, écoutez, je vais vous payer avec un sourire. C'est mon travail, c'est ma job. J'ai fait un film, je le vends, je fais des conférences, je fais des présentations. C'est très noble de ma part d'avoir investi autant de temps parce que je connais personne à date et puis c'est des gens qui me l'ont dit qui l'auraient fait.
Il m'a dit non, j'aurais laissé tomber, Jean-Charles, j'aurais pas pu. J'ai eu la chance d'avoir ma femme qui m'a appuyé pendant 2 ans et qui dit Jean-Charles, fais-le. Pendant 2 ans, je m'occupe de tout, je paye les comptes, etc. Je vais tout faire. Et fais-le, mais fais que ça. Je l'ai fait. Alors, je suis raide, éclaté, je suis fatigué, j'ai mal partout. Et je te le dis que là, j'ai hâte de poser mes valises. Parce que là, c'est bon, la version française est faite, la version anglaise est faite, tout est fait maintenant. On récolte ce qu'on a semé. Mais ça m'a pris 7 ans de ma vie. Donc, quelqu'un qui dirait « Ouais, mais il veut gagner de l'argent avec ça. » Mais alors, je veux dire, toi, tu travailles pour quoi dans la vie? Si tu es boulanger, donne des baguettes de pain. Non. D'ailleurs, pour gagner sa vie, je pense qu'il ne faut pas passer 7 ans à faire un film. Il faut passer peut-être éventuellement 3 ou 6 mois pour vite faire un… Voilà. Donc, parce que j'y ai cru, ça a donné ça. Alors maintenant, c'est sûr que tu auras toujours des gens médisants, Alex, qui vont faire ça, etc. Mais moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait aussi pour informer le monde et puis leur dire que, un, on n'est pas seul. Et à cause de ça, j'ai des gens qui m'appellent, qui veulent faire des soupers et à qui ils m'ont dit qu'en ayant vu mon film, ça leur a vraiment ouvert l'esprit et délié les langues et ils ont envie de parler. Et je te jure, il y a des gens qui sont venus voir dans le cinéma, là, Alexis. Ils m'ont dit, ça a fait à peu près 30 ans que je me tais. Et ben voilà. Et j'ai dit, mais vous avez vu quoi? Elle a dit, j'ai vu quoi? J'ai été en contact avec quoi? Ma fille, quand j'étais petit, je suis entré dans sa chambre, puis il y avait ça, puis ici, puis des extraterrestres dans la chambre autour du berceau et tout. À qui tu veux que je dise ça? On est en 1960. 65. Il y a qui va te croire? Je dis pas une chose pareille. Et voilà. Et donc là, elle me dit, votre film, ça fait du bien parce qu'on sait ce qui se passe en ce moment. Voilà. Avant, c'était toujours les choses de 1945, Roswell. Ok, super. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va attendre l'an 3000 pour savoir ce qui se passait en 2000? Non, là, je parle de choses maintenant. Alors, il y a des théories, ça me regarde. J'invente rien, je reprends les écrits de ce que dit Michael Sala parce que ce sont des enquêtes qui ont été faites avec vraiment précision. C'est pas un petit bouquin cucu qui a été fait. Il y en a quand même à son troisième, il y a un quatrième qui sort. Et chose importante, c'est que j'ai écrit à Michael Sala. Ok. Puis il m'a répondu. Et je le rencontre dans une couple de mois. Ok. Il va venir ici, chez moi. Magnifique. Et Richard Glenn, que tu connais, oui. Eh bien, devrait faire un Skype avec lui d'ici peut-être une semaine ou deux, auquel je suis invité. Et il m'avait dit, ton film est en français, son agent m'avait dit, il faudrait que tu le fasses en anglais. Il m'a appelé de France, il était en déplacement, puis il m'a dit, puis la version anglaise, vas-tu la faire finalement? Je lui ai dit, elle est finie. Il m'a dit, t'es sérieux? Ouais, elle est finie. J'ai passé une semaine jour et nuit à monter en studio avec des professionnels et elle est faite. Elle est faite, masterisée, a fait 70 gigas et elle sait, qualité Blu-ray, etc. Et là, quand je vais avoir la conférence, je vais pouvoir la donner à Michael Sala. Puis tu as vu la nouvelle bande-annonce que j'ai faite en anglais? Pas encore, mais je peux peut-être la placer. Rive Sud, ouais, et elle est dédiée au début à Michael Sala, Corey Good, David Wilcock, Randy Kramer, William Tompkins, ouais. Et puis Jimmy Gieu pour leur quête sur la vérité et la divulgation. C'est ça que j'ai mis au début. Alors, c'était important. Alors là, tu vois, maintenant… ça va être incroyable parce que je vais pouvoir le diffuser aux États-Unis. Puis, en plus, si j'ai l'appui de Michael Sala, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait un film s'appuyant de ses livres aussi, tu sais. Alors, je prie le ciel, mais c'est bien parti. Donc, je suis quand même content de pouvoir rencontrer cette sommité parce que c'est quand même, il est quand même docteur en exopolitique. C'est quelqu'un de très qualifié, Michael Sala. Je ne sais pas si tu connais vraiment ses ouvrages, si tu as étudié un peu le père. Malheureusement, pas, non. C'est fascinant. C'est fascinant ce qu'il dit. Après, Corey Good, bon, il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais qui… » Tu es toujours encore la quête de preuves. Mais oui, il faudrait aller sur Mars. Mais en tout cas, il doit avoir une imagination débordante, ce monsieur, parce qu'avec tout ce qu'il dit, qu'il a vu,
l'interaction qu'il a eue avec les extraterrestres. Randy Kramer, pareil. C'est quand même des gens qui ont des détails précis qu'on retrouve dans mon film aussi. Alors, c'est ça. En gros, c'est fait pour justement pousser les gens à parler, tout simplement, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, bien au contraire. On est beaucoup. Et tu sais, je fais des super belles rencontres, Alexis, quand je vais dans le cinéma, et puis que les gens, là, sont tellement... tellement incroyable, tellement content de pouvoir partager. J'étais au dernier symposium du MUFON, c'était incroyable. J'étais au symposium de Richard Glenn aussi, UFO 801, je pense, c'était 901. Et puis, les gens me prenaient dans leurs bras, puis ils étaient là parce que je diffusais le film en avant-première chez lui, en cadeau. Je n'avais pas dit aux gens, les gens qui étaient dans la salle, il y avait un écran, puis... Vous êtes là, bon là on a une surprise pour vous, je diffuse mon film. Oh, les gens étaient là, mais oui. Ça. Et là j'ai diffusé le film et t'aurais dû voir la mâchoire là. On est allé manger, puis pendant qu'on mangeait, j'étais en train de manger, puis les gens étaient autour, puis me posaient plein de questions. Puis l'avantage dans le cinéma, c'est qu'à chaque représentation que je faisais et chaque conférence que je vais faire, ben je suis là, donc je peux répondre aux gens. Les gens me posent des questions personnelles, ça dépend de quoi là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais Je réponds aux questions. Et là, tu as une interaction avec le réalisateur et l'acteur que tu n'as pas si « Ah, mais tu ne t'intéresses pas de diffuser ton film dans 500 salles. » Non. Ben non, parce que je veux avoir une interaction avec le public. Je veux parler aux gens, je veux leur raconter. Puis à chaque fois, je défonce mon temps parce que j'ai le droit à 2 heures, puis au bout de 3 heures, je suis encore là, donc il faut que je paye en plus, tu sais, pour la salle. Mais les gens, c'est parce que les gens sont captivés, ça n'en finit pas. Il y a des questions, l'autre il parle, l'autre il lève la main, puis je vais être obligé de vous les. Il va falloir qu'on arrête parce qu'il faut que je quitte la salle. Mais c'est super intéressant, je te le dis, c'est waouh. Donc d'après toi, il y a quand même une ouverture qui est en train de prendre vraiment forme de plus en plus. Dans le monde, oui. Ouais. En Espagne, par exemple. Au Pérou, partout ces endroits-là qui sont des endroits qui sont quand même assez symboliques, aux États-Unis, pour ne pas les citer. Et tu sais, quand je vais au symposium de MUFON, tu verrais le nombre de personnes qu'il y a, mais c'est hallucinant. Puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est des illuminés. » Tu sais, il y en a qui vont dire ça. Il y en a beaucoup. C'est loin d'être des illuminés quand tu les vois. Hein, des messieurs, costume, cravate, super calé, puis qui te parle de physique quantique, puis de l'effet Mandela, puis des hauts gradés de l'armée qui sont à la retraite, qui travaillent pour... C'est fou. Alors, c'est sûr que le public aux États-Unis, c'est pas le même que le public en France. C'est pas péjoratif, là, mais non, en France, à une réunion d'un colloque sur les ovnis, tu vas avoir des gens du coin. Aux États-Unis, accroche-toi, là. Tu peux avoir des gens de la NASA qui sont là. Puis, on en a eu. Et il y a des conversations à n'en plus finir. C'est hallucinant quand tu es autour d'une table aux États-Unis avec des gens comme ça. Tu sais, sur les abductions ou sur les mutilations de vaches, puis tout, là, tu as des gens qui sont là, ils te parlent de ça, puis ils sont avec leur cellulaire, puis ils te montrent, et puis ils enquêtent là-bas, puis ils sont dans le Nevada, puis ils sont à côté de l'Area 51, puis c'est waouh! Tu sais, c'est toute une dimension. Quand tu es aux États-Unis, c'est plus la même chose. Alors, quand tu reviens après dans ton propre pays ou en France ou au Canada, et puis que les gens, ils te font « Ouais, alors, c'est quoi que tu as vu ?» Je sais pas comment... je sais pas par où commencer. Je sais pas comment te dire ça. Tu vois ? Et puis, c'est pas quelque chose qui se partage à la légère, je pense. J'avais déjà expliqué dans une émission que c'est quand vous observez un phénomène ovni ou autre, pas que ufologique, c'est souvent très intime, c'est parfois très, très personnel. Le partager le sentiment qu'on a eu au moment même avec quelqu'un d'autre, c'est purement impossible. C'est comme quand vous racontez votre rêve, justement. Moi, je suis très attaché au rêve et au voyage dans l'astral. Quand tu racontes ça à quelqu'un, ah ouais, d'accord, et à part ça, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu vois, c'est à peu près ça, en fait. C'est parce que, mais je peux comprendre, parce que tant qu'on l'a pas vécu,
On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Par contre, ce que je dis toujours, c'est que même si vous ne partagez pas les émotions de la personne, au moins ayez la décence d'écouter. Moi, je pense qu'on est dans une période où les gens ne s'écoutent plus, sauf peut-être sur Internet maintenant, là, parce que ce sont des vidéos, les spectateurs sont plus passifs, ils écoutent, ils nous écoutent là, à l'instant. Mais je pense que voilà, dans la vie, de moins en moins de gens prennent le temps de s'écouter avec, tu sais bien, les tracas de la vie et compagnie, compagnie, compagnie. Donc voilà. Donc je pense que l'écoute est très importante et voilà, c'est ce que tu peux faire justement toi de mieux avec ces séances. Alors justement, au début, je parlais de séances qui se déroulent dans les salles au Canada. Est-ce que tu entrevois éventuellement des séances en Europe éventuellement ou comment ça se passe? Alors, pour faire des séances en Europe, il faudrait que je me déplace. Ouais. Et me déplacer à mes frais, Ouais, c'est c'est pas possible. c'est Ouais. pas possible. Quand je me déplace aux États-Unis, c'est parce que j'ai un intérêt aux États-Unis, Ouais. dans le sens que où mon film va être présenté, où je suis invité en tant que directeur adjoint, comme on était allé à Gallup, au festival à côté de Roswell avec Marc, tout était payé. Mais là, c'est en Europe, c'est l'euro. Aller là-bas pour peut-être me faire insulter ou me faire rire de moi, c'est pas le genre de chose qui m'intéresse. Mais on m'a proposé d'y aller. Ouais. On m'a proposé d'aller en Suisse, ces endroits-là. Bon, à Tahiti aussi. Donc, tu sais, Tahiti, c'est sûr que ça a rien à voir. En même temps, tu peux faire un voyage d'agrément, tu sais, mais c'est sûr et certain que je préférerais aller aux États-Unis que d'aller en Europe parce qu'en Europe, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les problèmes des gilets jaunes et tout ça, je te dirais qu'ils ont autre chose, ils ont d'autres chats à fouetter que d'écouter un gars qui a vécu une expérience comme j'ai vécu. Et pourtant, Et pourtant, mais ils ont l'esprit bien occupé. ouais, tout à fait, absolument, absolument. Je dirais que le timing n'est pas bien choisi. Non. Et je renvoie d'ailleurs toute mon énergie Ouais. de Français, de compatriote, en espérant que la France va pouvoir se relever de ce qui se passe, qui est chaotique. J'espère qu'un jour, ça va se régler parce que je trouve ça triste. Moi, je suis parti il y a 16 ans, d'un beau pays et je vois maintenant, la France, comment elle est devenue avec tout ce qui se passe dans la rue. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que c'est tellement merveilleux. Puis là, le dernier problème qu'il y a eu avec le feu de Notre-Dame de Paris, ça m'a vraiment fait de la peine aussi. De voir que on avait un monument symbolique comme ça qui C'est ça. brûlait. Et ce qui m'a fait de la peine aussi, c'est que moins de 24 heures après, on a plusieurs milliards qui ont été débloqués pour réparer la cathédrale, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim en France, dans les À fait. rues. J'ai trouvé ça un petit peu grotesque. Un peu grotesque, effectivement. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, quand tu vois tous les problèmes qu'il y a en ce moment, je préfère aller, moi, voir ailleurs avec mon documentaire et puis de laisser les Français se sortir du mieux qu'ils peuvent de leurs problèmes. Et je vais pas pousser pour aller en France pour présenter. Je l'aurais fait en temps normal. Si la France avait été calme comme il y a 16 ans, j'aurais été super content. Je serais venu, je serais allé probablement à l'émission de Thierry Ardisson. Je serais allé à des émissions partout. Je serais allé, ça m'aurait pas dérangé. Mais le contexte et l'ambiance est tellement fou, c'est ça, C'est pas c'est le moment, c'est ouais, juste pas c'est pas bon. le moment. C'est pas bon que je Voilà. pense que je perdrais mon temps. J'aime les Français et je leur dis je vous aime, mais je peux pas là. C'est pas le bon timing en ce moment. Alors vous pouvez le voir sur Internet, vous pourrez le télécharger. Alors justement, comment est-ce qu'on peut procéder? Alors, on peut même acheter le DVD également. Depuis, ils peuvent aller sur Vimeo, Oui. hein, mais tu peux aller sur mon site aussi, www.nemesis avec un Z, OK. Nemezis-studio.com. C'est ça. Et là, en haut, il y a des petits menus, là, il y a marqué à propos, accueil, machin, là, il y a boutique. Tu cliques sur boutique et là, depuis à peu près 1 heure et demie, je l'ai mis en ligne sur mon site Wix. Donc, tu payes par PayPal directement et tu peux directement télécharger le film Magnifique. ou l'acheter ou ce que tu veux. Pour 24 heures, tu as le film directement et donc automatiquement,
c'est PayPal qui redirige et puis. En tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment et même durant le film, surtout, ce que je voulais dire, en plus de l'interview, bien entendu, et merci de ton acceptation d'ailleurs pour cette interview, parce que vraiment, voilà, je voulais. C'est un film qui doit être vu, je pense, que, comme documentaire, comme film, un peu de fiction éventuellement, mais comme documentaire. Et puis voilà, on va pas trop spoiler, mais c'est vrai qu'il y a des choses vraiment intéressantes, très intéressantes même d'ailleurs. C'est assez marrant, c'est assez éclectique dans la forme, je dirais. Voilà, il y a donc une partie plus personnelle où tu t'es donc projeté, comme tu as très bien expliqué au début, hein, à tes 4 ans, etc. Il n'y a rien qui existe qui Voilà. ressemble à ce que j'ai fait. J'ai vraiment tout mélangé. Film. Voilà, exactement, c'est ça. C'est assez éclectique et j'ai bien aimé. Voilà, on a vraiment de la fiction, de la réalité, il y a les deux qui se mélangent. Et encore qu'une fois, comme je le dis toujours, de toute façon, tout est interlié. C'est pour ça que la santé du réel existe, pour ma part. Ça fait partie justement un petit peu de mon fil conducteur dans toutes ces émissions. C'est que tout est interlié. Donc aux gens, aux auditeurs, aux spectateurs, à faire le lien eux-mêmes. On n'est ni Jean-Charles et moi-même là pour vous guider et mettre tout sur un plateau. Pour que voilà, hein, c'est pas chacun doit digérer un petit peu à sa manière, et je crois que c'est une des meilleures choses qui puisse être magique finalement, c'est de découvrir un petit peu, revivre de nouveau cette magie qu'on a perdue étant enfant. Et en tout cas, grand merci de m'avoir fait donc découvrir ce fabuleux film. Et puis, donc, directement, je fais aussi un petit coucou à Daniel de Belgique, de OVNI Belgique, il se reconnaîtra, bien entendu. Je crois que je lui ai écrit à Daniel. Ouais, bah justement, voilà, c'est par lui que j'ai appris ta connaissance et surtout ton documentaire. Donc, on lui fait un petit coucou à Daniel, voilà, c'était la Allô, petite Daniel. le petit big up du moment. Et Jean-Charles, écoute, bonne continuation, surtout repose-toi bien maintenant, après 7 ans. Et en même temps, je te dirais que là, il faut que j'avance maintenant sur mes conférences parce que il faut pas que je lâche C'est ça. le morceau là. Je vais me reposer un peu là, c'est sûr et certain là. Mais comme j'ai l'information, elle est accessible à qui la veut. Hein. Ok. Nous, on la livre. Ouais. Après, tu en fais ce que tu veux. Je vais pas te tordre un bras pour que regarde. Absolument pas. Non, 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 surtout pas. Écoute, tu mettras le lien. Je sais pas sur ton sur ton sur. Dans la description, un peu partout. Je Un petit peu t'enverrai partout. même en Ouais. privé le lien exact pour la boutique là, comme ça tu le Ok, sauras. magnifique. Et Magnifique. puis ben, merci à toi de m'avoir donné la parole. J'espère que j'ai pas été trop bavard. Non! Parce que des fois, on est entrecoupé par les présentateurs, mais là, tu m'as laissé la latitude. Alors, je sais pas si on n'est peut-être pas trop dit. C'est toi qui Non, verras je pense au pas, montage. non, non, non. Non, non, ça a été juste bien. J'espère que ça donnera justement l'envie aux spectateurs de découvrir ce documentaire film, fiction, appelons-le comme on veut. En tout cas, c'est une très belle histoire, un très beau témoignage, enfin plusieurs beaux témoignages d'ailleurs dans ce documentaire. Bah merci à la Et Belgique hein, de me donner cette chance aussi de le faire connaître là-bas. Et puis tu vois, effectivement, la Belgique, c'est un endroit, si j'avais été encore en France, c'est là que je serais allé pour présenter mon film aussi. Pour la symbolique en même temps de la vague d'OVNI en Belgique, qui pense. s'est produit le même jour que l'OVNI de la place Bonaventure. Exactement, je pense que tu aurais eu un bon accueil. Je pense que c'est pas pour me vanter, c'est pas pour me faire mon chauvin, mais je pense qu'effectivement en Belgique on est encore assez ouvert pour ça, pour certaines choses, hein. Pas pour tout, on est bien d'accord, hein, encore une fois, voilà. Changeons de débat. Donc Jean-Charles, merci beaucoup. Et puis donc j'invite aux auditeurs donc aller éventuellement louer ou acheter le film, se renseigner un petit peu sur Jean-Charles Moyen, donc de ce qu'il fait également au MUFON, hein, donc encore une fois, qui est donc directeur adjoint provincial du MUFON Québec. On fait un petit coucou encore à Marc Saint-Germain, j'espère qu'il nous écoutera. Voilà, et surtout, moi je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo, à commenter, etc., etc. Vous savez très bien, vous connaissez la chanson, je pense, depuis un petit temps. Et donc voilà, j'espère revenir avec d'autres vidéos très très bientôt. À tout bientôt, bisous, ciao ciao!